Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans le cadre de la saison du terroir et des saveurs au Québec, on vous revient avec une capsule testée pour vous! Yes! Aujourd'hui, on va tester un produit assez original et certifié aliment du Québec, la tapenade d'artichaut. Certifié aliment du Québec parce que oui, figurez-vous qu'en Montérégie, à Sainte-Madeleine, il y a une artichautière, la fille du roi, un endroit de découverte gourmande insoupçonné. Oui, et vous pouvez même visiter l'artichautière. Oui. C'est un peu difficile à dire, hein, ce mot-là? Non, en tout cas. Et découvrir toutes les saveurs de ce légume raffiné. En fait, vous pouvez aussi cueillir vous-même vos artichauts et apprendre à les cuisiner. Et pourquoi pas profiter de votre visite pour découvrir les autres produits comme les cœurs d'artichaut marinés ou à la Provençale, tous certifiés Aliments du Québec. Pour la tapenade d'artichaut, on dit que c'est un produit recherché pour sa simplicité. Il paraît que quand on y goûte, ça goûte vraiment l'artichaut. J'espère. C'est tout avec l'artichaut. Oui, c'est vrai. Et pas besoin de vous casser la tête pour goûter la tapenade. Dégustez-la sur votre craquelin préféré ou encore sur un pain grillé. Si vous voulez faire un petit peu plus fancy, en fait, mélangez-la avec vos pâtes ou encore mélangez avec la mayonnaise pour faire un super sandwich ou remplacer la sauce tomate de votre pizza préférée. Pizza! Bref, consultez la section recettes du blog pour vous inspirer. Alors, go pour la séance photo saveur! Oui! D'essayer sur les pastas! Oui, et en terminant, on vous invite à aller lire le reportage de La Fille du Roi disponible sur le blog magazine. Et bien évidemment! Sur ça, bien à la prochaine!